Et ils sont énervés. Il y a un point tech à récupérer ici. Des points tech gratuits comme ça, ça se ramasse, hein. Ah, ça c'est des... Ça c'est des slaloms, hein. Ok, on va chercher Angel à l'incinérateur. C'est ouvert, c'est parfait, on va pouvoir rentrer. On se fasse pas avoir là, comme à chaque fois. On va regarder avant. Alors c'est les Kelly qui ont emmené Angel. La vache, le pauvre. Allons, allons, trêve de négativité. Nous allons le retrouver. La vidéosurveillance a pu enregistrer l'endroit où ils l'ont emmené. Ouais, toi, mange-toi ça. Ça me fait trop marrer, ça. Ah, du coup, ils sont tous... Ils sont tous alertés par ça. Forcément. Dispersez-vous. On trouve l'intrus. Il n'y a pas d'intrus, hein. Il a juste pas fait attention. Hein. C'est pas de notre faute, hein. Par où ça s'ouvre, ça? Toi aussi t'es alerté? Heureusement que l'IA il détecte pas quand on est sur un contrôle de caméra. Ah! T'es fait cramer, je crois. Mais non, il n'y a personne. J'essaie de trouver le... C'est ici en fait que ça s'ouvre. Ah oui, mais il faut le faire... Il faut y aller physiquement quoi en fait. Donc il va falloir que j'arrive à rentrer. Il est tout seul lui. Faut que je regarde un peu ça. Le problème c'est qu'il y en a qui regardent dans la même direction et qui arrivent d'ailleurs. Bah, donc j'ai bien fait de pas aller l'attaquer lui. Il y en a un deuxième derrière lui. Il y en a un deuxième qui rejoint d'ailleurs. Avec la voiture on peut pas en tuer un. D'accord, raté. Qui c'est qui a piraté cette caisse? Que tout le monde se mette à sa recherche. On reste en contact. On va voir si on peut pas rentrer ailleurs. Parce que le portail est ouvert, mais il y a trop de monde en fait. Le but, c'est d'y aller en discrétion quand même.
peut repartir. Dépêchons-nous d'accéder au réseau de surveillance. Il est là le truc que tu dois. Ouais, voilà, il est là. Il n'y a pas un piège dans le coin pour. Non, les pièges, c'est pas ouf. On va peut-être aller éliminer celui de là-haut. Celle de là-haut plutôt. Ah, je suis désolé, madame, hein, mais. Il n'y a pas le choix. Oups. Oh putain! Mais c'est quoi, c'est crade? Non! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais non, voilà, ça recommence. J'ai tapé trop tôt. Personne n'a été repéré, on est d'accord, non, c'est bon. Personne n'a été alerté. C'est good, on peut avancer, on a ouvert les portes. On a ouvert les portes. On va pouvoir les télécharger, les données. En parcourant les images enregistrées, j'ai... Tech. Ça se prend toujours. Donc là, faut aller dans les sous-sols pour enquêter. C'est au même endroit, on est d'accord. Ouais, 65 mètres. On peut pas l'assassiner d'en haut. Enfin, on n'est pas sur, on n'est pas sur du Splinter Cell là. Et si je descends, ça va faire du bruit. Ah si, d'accord, on peut sauter dessus, c'est classe ça. Ah ouais, c'est classe. Et il faut avoir le bon timing quoi, surtout. Faut pas sauter au mauvais moment. Mais c'est bien fait, c'est classe, j'aime bien. Qui aurait prédit que la technologie serait impuissante face à un verrou ? Impossible de passer par la porte, mais ce vide ordure fera l'affaire. Il mène soit au sous-sol, soit vers une mort atroce. Peut-être même les deux, j'imagine. Super, vraiment parfait. La classe. Ah. Oh merde. Plusieurs corps. N'aie pas peur, tu as déjà vu des corps quand même. Ah, c'est un boucher, j'ai l'impression. Ou un dentiste, c'est pareil. Boucher, dentiste, c'est à peu près pareil. Hein. C'est le même métier. Bien joué, Kathleen. Allez, plante-tu dans l'œil. Ou dans le cou, c'est aussi bien. Bien joué. Reprends ton souffle, ça va bien c'est se passer. Bon. Sortez, je vous charcuterai pas.
Allez, je sais que vous êtes là. Merci d'avoir fait diversion. Ça m'a donné juste assez de temps pour m'occuper de cette ordure. Ça va ? Il était sur le point de t'égorger, comme une truie. C'est le cas, mais tout va bien. Laissez-moi juste reprendre mon souffle et trouver mes fichiers. Attends, t'es Caitlin Lowe ? L'inspecteur de police ? C'est ça ? On a trouvé tes vidéos. Tout à fait. Tu t'en es prise à Mary Kelly en mode solo. Waouh, c'est impressionnant. J'ai pas toujours été toute seule. Mais qui êtes-vous ? Vous faites partie de Dead Sec, c'est ça ? Vous m'avez suivi jusque dans cet abattoir ? J'aurais préféré. Un de nos potes a disparu au CAE. Et la piste nous a amenés ici. Ah, ces atrocités. Regarde tous ces gens. J'ai déjà vu des trucs moches, mais là... Je suis désolée dans ce cas. Vous avez peu de chances de le retrouver vivant. Les Kelly ont une sale opération en cours. Une sorte de marché noir pour un trafic d'organes humains. Ça fait des mois que j'enquête. Et ils ont mes putains de fichiers. Je me sens vraiment mal. Tu devrais faire un break. Écoute-moi, on va t'emmener dans un lieu sûr. T'y restes tant que tu veux. En attendant, je vais retrouver Angel et tes fichiers. Ça a l'air important. C'est tout ce que j'ai pu réunir sur Mary Kelly. Presque assez pour la faire tomber. Super. Après tout ça, Dead Sec se penchera sur cette pourriture de Mary Kelly. On aura bien besoin d'aide. Bon, un agent est en route pour escorter l'inspecteur Lowe. Nous devons trouver Angel, ainsi que les fichiers de l'inspecteur Lowe. J'attends votre homme ici. Aucun doute. Cette opération a pour but de prélever des organes. Le clan Kelly découpe les parties qui l'intéressent, puis brûle le reste. Allez, je me lance. Je parie qu'aucun d'entre eux ne s'est porté volontaire pour être donneur. Bon sang, regarde ces pauvres gens. On pourra jamais les identifier. Bagley, t'as une suggestion ? Prenez une photo, que je fasse une recherche croisée comment on fait sur les photos, différentes déjà bases de données. Mais comme ça. Appareil photo. Négatif. C'est terrible. Combien de familles ont été détruites par Mary Kelly ? Nous devons l'arrêter. Une bonne fois pour toutes. C'est lui ? Je suis au regret de vous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Angel Lopez. Merde, Angel. Il connaissait les risques. Moi aussi, mais... Je pensais pas que Dead Sec se retrouverait mêlé à tout ça. Mary Kelly s'attaque aux plus vulnérables de Londres. Cette femme est un putain de monstre. L'éliminer, ça devrait être la priorité de... Ah, pardon. Sec. Maintenant, nous devons localiser les dossiers de Caitlin Lowe sur Mary Kelly et vérifier si mes hypothèses sont correctes. Mary fait-elle partie de Zero Day ? Ah, pardon. Bon, bah, venez. Ok, c'est récupéré. On va retourner voir Caitlin, je suppose. Bien joué, ah non, vous avez trouvé les fichiers. Cela devrait plaire à l'inspecteur. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici avant de vous faire découper en morceaux. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Ça marche, on fonce. Ah, on n'a pas fait aussi ça. Sec. On fera ça plus tard. Ici Caitlin Lowe. Je tenais à vous dire merci. J'aurais pu finir cobaye dans un cours d'anatomie à l'heure qu'il est. Ou en petit tas de cendres. Bonne nouvelle. L'inspecteur Lowe a été escorté dans un refuge à proximité où ses blessures seront traitées. Tout ira bien pour moi. Je suis encore un peu étourdie à cause de ce qu'ils m'ont injecté. Et surtout parce que je réalise qu'on a collaboré. Dead Sec main dans la main avec la police. La résistance conduit à de drôles d'associations.
Mais nous avons besoin les uns des autres pour faire tomber Marie Kelly. Exactement. Vous avez une organisation? Moi, j'ai des infos. Ainsi que le soutien de personnes influentes. Ce n'est qu'en unissant nos forces qu'on arrivera à la faire tomber. Marie Kelly n'est pas une criminelle comme les autres. Bagley, je peux pas décider quoi faire avec ces fichiers sur le terrain. Rameute les troupes. Je vais me connecter à l'inspecteur Lowe et préparer un briefing. Mission accomplie. Eh ben, on dirait que je démérite pas au sein de la résistance finalement. On ne vous aurait pas recruté si les dettes sexes étaient attendues à ce que vous vous fassiez tuer si facilement. Ouais, je vais prendre ça comme un compliment. Bagley a un sens de l'humour particulier. Tu finiras par apprécier. Et tant que je te tiens, bon boulot, hein. On a une nouvelle mission. Dedsec a retrouvé Angel Lopez à l'incinérateur, c'est ok, assassiner ses organes avait été prélevé par le clan Kelly, donc ça on le sait, ils ont empêché Kathleen Lowe de subir le même sort, l'inspectrice enquêtait sur les opérations de Marie Kelly, Dedsec a récupéré ses fichiers et ils ont décidé de faire équipe. Retourner à la planque, ok. Hop là. L'inspecteur Lowe m'a contacté, nous sommes prêts pour le briefing. Allons écouter le briefing. Let's go. C'est bien, on peut interagir avec les... On va interagir avec les collègues hein, de l'équipe. Pour être franche, je me sens un peu dépassé. J'ai l'impression d'être trop âgé. La résistance est un travail de jeune. Wow, secoue-toi un peu. Une balle, ça fait pas de différence. Dans tous les cas, tu crèves. Bien sûr. Bon, nous devons continuer. C'est vrai qu'elle est pas toute jeune, mais bon, c'est comme ça, hein. T'as décidé de nous rejoindre, il faut le faire jusqu'au bout. Très l'ambulancier là-bas. Je l'ai pas joué encore l'ambulancier. Marie Kelly dirige le réseau criminel le plus puissant de Londres, le clan Kelly. Cela ne devrait pas être trop dur à retenir. Quand son père était aux commandes, faut dire que le clan payait pas de mine. Mais quand il est mort, ses ennemis ont commencé à disparaître. Ses amis aussi, sa famille. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Marie la sanguinaire. Très tôt, Marie s'est spécialisée dans la crypto-monnaie et a converti les Kelly au marché du crime en ligne. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, drogue. C'est beaucoup plus simple de faire du business avec de la monnaie virtuelle. À elle seule, Marie a modernisé le crime organisé londonien. Et c'est peu de le dire. Actuellement, elle se prétend intouchable. Les fichiers que vous avez récupérés parlent d'eux-mêmes. Darla Covington, 19 ans. Sacha Haddad, 28 ans. Radek Stopkevich, 24 ans. Tous disparus. C'est difficile de s'entourer de gens compétents en ce moment, n'est-ce pas, mon trésor ? La plupart manquent de détermination, pas comme vous. Parce qu'ils se sentent inutiles, n'est-ce pas, dans un monde aussi cruel que le nôtre, un monde qui les opprime. Ah, c'est abject. C'est bien que vous vous ayez un but. Bon, allez, moi... Elle a une vraie tête de sorcière. On n'a pas terminé. Je suis ici. Par pure politesse. Oh. Et présenter mes condoléances aux familles. C'est terrible de perdre un être cher. Ravi de vous avoir rencontré, Kathleen. Comme vous le voyez, il est impossible de mener un interrogatoire. Mais je connais un endroit où elle se sent à l'aise pour parler. La résidence Sandstone. Selon l'inspecteur Lowe, un mouchard de la police placé au QG des Kelly pourrait contenir les preuves dont elle a besoin pour faire accuser Marie. Sandstone est le centre de leurs opérations. Je sais que les données sur ce mouchard permettront de la faire tomber. Trouvez-le-moi, et je vous donne ma parole qu'elle finira en tôle. Je vous envoie les coordonnées sur votre optique. Ok. Inspecteur Lowe, ici Sabine.
Je me demande comment vous pouvez encore imaginer traîner Marie Kelly en justice sans renfort. Même avant qu'Albion ne s'approprie la surveillance, vous n'y êtes pas parvenu. Et elle continue à traiter des humains comme du bétail. Je devais obéir aux règles du système. Bien sûr qu'il est corrompu, je le savais d'ailleurs. Mais j'ignorais à quel point. Je pensais que des preuves assez solides ne pourraient pas être ignorées. Et ces pourritures ont profité de ta naïveté, Kathleen. Pourquoi tu leur donnes l'occasion de recommencer ? Cette fois, je transmettrai l'affaire directement à un contact au bureau du procureur général. Quelqu'un d'honnête, viscéralement opposé au crime organisé et tout particulièrement à Marie Kelly. Écoutez, nos méthodes sont peut-être différentes, mais je veux aider ces gens autant que vous. Très bien, mais quoi qu'il arrive, il est hors de question de laisser Marie filer une fois de plus. C'est pas vraiment... Ah pardon, j'ai coupé la conversation. Je croyais qu'on pouvait l'ouvrir et qu'il n'y avait pas de chargement, mais je suis bête, ouais, c'est vrai qu'il y a un chargement chaque fois. J'espère que la conversation va continuer, entre deux. On n'a plus la conversation. Et bah, désolé. Je vous ai trouvé une recrue potentielle. Je vous l'indique sur votre carte. Il se défend avec un MP5, d'accord, si on veut vraiment... Ok. Donc je suppose que c'est ce qu'il faut faire ou c'est un autre? Je pense qu'on va les enlever, hein. Ceux-là on va pas le faire. Hein. Bon lui c'est sûr on va pas le faire de toute façon. Lui je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi il est là-dedans d'ailleurs. Je lui ai jamais demandé. Ça t'apprendra de m'avoir insulté d'abruti. Est-ce que c'est loin où on doit aller? Ah ouais mais non, j'ai pas pris la bonne mission. C'est là qu'on doit faire. Il est où du coup finalement le mec qui se défend avec la MP5? Il y en a pas en fait. Elle m'a parlé d'un SDF. D'un SDF qui se défendait avec une MP5. C'est sur la mission principale? Bah ils en parlent pas donc je sais pas. Bon, on va continuer la mission principale de toute façon. Ah bah si, il est là, on le voit sur la map. On le voit sur la mini-map. Il est ici. Recrue experte. Expire dans 58 minutes. Je pense qu'on va le faire. Hein. Ça fait pas partie de la mission principale, mais... Étant donné qu'elle expire dans une heure... Bon, désolé, hein. Parce que si elle m'a donné l'info, c'est que sûrement ça doit être intéressant. Et forcément, quelqu'un qui utilise une arme, ça peut être pas mal aussi, des fois, dans certaines situations. Donc, on va y aller. Par-dessus ça. Il est capable d'escalader des montagnes. Ah ouais mais là c'est beaucoup plus loin en fait. Chaque fois je fais le coup. J'ai l'impression que c'est à côté et au final c'est de l'autre côté du bâtiment. On va y aller en voiture, on va le finir.
Tu me connais pas. Mais je crois qu'on a des intérêts communs. Tu fais partie de DedSec. J'aurais bien besoin de votre aide. On peut peut-être t'aider. Il se passe quoi? Un ami à moi a une maladie auto-immune hyper rare. Il a mis des mois à obtenir des médicaments vu le bordel complexé à la NHS. Un docteur du clan Kelly a dit qu'il pouvait l'aider, si on y mettait le prix, bien sûr. Donc moi, je lui ai filé de quoi payer son traitement. Je t'écoute. Le traitement a marché. Enfin, quelque temps. Mais maintenant, mon pote est devenu accro et son enfoiré de médecin a augmenté les honoraires. Quel bâtard. C'est un grand classique, ça. Bon, on va trouver les médocs de ton pote. Bouge pas. Où est cette mission? C'est moi qui vois pas clair ou je la vois pas? Je ne vois pas cette mission. Dites donc, ce médecin, avec de gros guillemets, est un vrai winner. Il a perdu le droit d'exercer pour faute professionnelle l'année dernière et opère à présent pour la mafia. Très demandé comme bonhomme. Génial. Tu peux le tracer? Je trace la position de tout le monde en permanence, figurez-vous. Je vous transmets ses coordonnées. Il fallait juste attendre. Il est loin. On va y aller. On va y aller au plus proche. Ah non, ça c'est un étau, c'est ça. C'est ça les stations. Les étaux, en fait, ça sert juste pour les vêtements? Ça sert pour rien d'autre? Recruter un espion pour utiliser un P9 avec silencieux et ses gadgets uniques. Kelly que vous recherchez est tout près de vous. Et on dirait qu'il transporte un PC portable ultra sécurisé. Il devrait contenir toutes les infos sur la cargaison de produits. J'y suis allé un petit peu en mode bourrin. C'est pas vraiment ce que je voulais, encore une fois. Qu'est-ce que c'est ça? Merde, mais y'a quelqu'un là! On va aller chercher le point tech là-haut. On va aller le chercher là-haut.
Voilà. Il y a un point tech de plus. C'est ça qui fait du bruit? D'accord. Ça, c'est un piège. Comment monter l'étage? Mais il y a un tuyau là. Parfait, on va monter là. Voilà l'ordinateur. Ordinateur dépouillé. Mettez-vous en lieu sûr le temps que j'analyse les données. J'ai trouvé l'entrepôt où les gangsters gardent leurs drogues expérimentales. Je suis sûr que Mary Kelly ne vous en voudra pas trop si vous lui piquez quelques boîtes. Allez, c'est parti. Fallait voler le fourgon médical. Les IA, ils me font toujours marrer, quoi. Je détecte un véhicule à proximité avec au moins 2 ans de traitement à l'intérieur. C'est plus qu'assez pour sevrer convenablement l'ami de notre contact. Compris. Voilà le véhicule avec les produits. Tâchez de ne pas le détruire. Ah bah, il faut pas le détruire, c'est sûr. Quelqu'un qui est en train de faire un tag là, on est d'accord. Un graffiti quoi. Faut que j'élimine en fait toutes les personnes qui sont en hauteur, parce que c'est toujours eux qui nous repèrent plus facilement. Voilà. Donc ça c'est pour ouvrir les portails. Ouais, il faut quand même que j'élimine celui là-haut aussi. Cette tourelle, la tourelle elle nous repère ou pas? Là faut m'expliquer pourquoi j'ai pas pu l'assassiner là. Là faut m'expliquer en vrai. Alors est-ce que cette tourelle, une tourelle de sécurité, donc à mon avis non.
un truc à récupérer là. Je pense que je peux l'attaquer lui en bas. Il y a lui aussi là-bas. Il a pas l'air de bouger depuis tout à l'heure, il est dans ce sens-là, lui. Est-ce que les tourelles m'attaquent? Non. Enfin, du moins pour l'instant, s'il me repère. Les tourelles me repèrent. Il fallait que je pirate ça avant. Moi, je suis mort. Oh là 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 là. Je vais perdre mon combattant. La cible a été tuée. Oh. Non, on a tué. On a tué ma cible. Mais non, c'est sérieux là? Merde. Mais c'est la loose. Putain, j'ai pas pu le recruter du coup. Tout ça pour ça. Ah ouais, bon bah tant pis. bon bah tant pis. On part sur la mission principale du coup. Ah, c'est violent ça quand même, hein, putain. Je savais pas les tourelles, je savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai pas compris là. Je pouvais pas les distraire, enfin je pouvais rien faire en fait à la tourelle. Il fallait que j'aille, je suppose, au truc de contrôle là, mais comment je faisais? Parce que dans tous les cas, la tourelle m'aurait repéré. Un peu bizarre. Je sais pas. Ou alors je suis vraiment pas doué, mais. Voilà, ouais, je suis vraiment pas doué, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Bon, on retrouvera une autre personne hein, de toute façon qui utilisera les armes à feu, hein. Je pense que ça sera pas la seule. Avec un drone, je dois rentrer avec un drone. La sécurité ici est à la pointe de la technologie, quasi impénétrable, à moins bien sûr de faire entrer un drone par la fenêtre qu'une andouille a laissée ouverte. L'appareil d'enregistrement est dans sa salle de sécurité. Pour y parvenir, il suffira simplement d'arpenter quelques conduits d'aération. Ah putain! Elle fait de ces gens ses serviteurs, et contre leur gré. Déjà que c'est horrible, mais c'est mille fois pire quand on pense qu'ils finissent comme donneurs d'organes forcés. Il y a un point tech là, non? Il y a vraiment un sérieux problème de comportement, tu sais? Il est où le point tech? Pitié. Ah, il est en dessous. Sombre crétin. Tu emmerdes tout le monde ou c'est juste moi, enfoiré? Sale petite merde. Je suis perdu. Je suis complètement perdu là. Voilà. Au bon étage? Je devrais être au bon étage là. Ouais, il faut que je monte là, donc voilà. Voyons quels enregistrements on a d'elle.
Regardez cet endroit. Voilà ce que donne l'argent sale. La famille Kelly exploite la misère des gens depuis tellement longtemps. Toute cette merde déborde. Il faut prendre une araignée. Okay. Donc vous êtes déjà venu ici. C'est comme ça que vous avez terminé dans la cave de l'incinérateur de Southwark. On avait besoin de preuves irréfutables. C'est pourquoi quelqu'un devait venir et les mettre sur écoute. Je n'allais pas imposer cette tâche à qui que ce soit. Vous avez vu comment Mary Kelly se sert des personnes qu'elle kidnappe. Alors, réfléchissons. Et l'uniforme de ces hommes n'est pas difficile à reproduire. Donc oui, j'y suis allée. Ce que j'ignorais par contre, c'est qu'elle avait des infos sur notre enquête. On fait une partie. Sur toute mon équipe. Je pensais qu'agir en solo empêcherait les fuites, mais elle savait quand même qu'on était sur le point d'arriver. Elle m'a torturée pour connaître les membres de mon équipe. Elle a voulu me briser. Mais un flic ne trahit jamais les siens. Le plus drôle, c'est qu'elle connaissait déjà toute l'unité. Elle les a tous fait descendre. Quel psychopathe. Au moins, elle t'a pas implanté de puce. Imagine-toi vivre avec un flingue sur la tempe tous les jours. Je préfère me battre. Donc j'ai failli terminer en pièces détachées. Encore une raison de vouloir m'attaquer à elle. Mais lui coller une balle dans le crâne ne serait pas suffisant. Mes équipiers sont morts pour la traîner en justice. Je dois leur faire honneur. Donc là, on a fait une partie. C'est le bordel, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Ok, on est pas mal. On est même très bien. On n'a pas tout fait. Qu'est-ce qu'on aurait raté? Donc là, ça c'est fait. Bah ici. Non, ici c'est bon. Bah, normalement, on a tout fait. Elle est où la porte? Hop, hop, et là c'est bon. Normalement, on est bon. Voilà. Parfait. Regarde ce que tu as fait, et après tout ce que j'ai fait pour toi. Nous sommes des esclaves. Nous le sommes tous. Je vous en prie, retirez-moi ça et laissez-moi partir. Et retourner à ta petite vie pourrie, dans ton trou paumé. Ah, ressemble vraiment une sorcière. Te faire exploiter par un boulot minable et vivoter comme un parasite sur le dos de l'État. Eh ben non, mon trésor. Cette micro-puce est effrayante, je sais, mais je dois bien surveiller ma marchandise, n'est-ce pas? Et ça, ce couteau, ça te sert à rien non plus. Si tu te charcutes, tu me fais perdre mes bénéfices. Je peux plus vivre comme ça. Ah ça, pour une fois, tu as raison. Mais ça va aller, mon ange, parce que j'ai d'autres projets pour toi. Ah oui, donc la puce qu'ils injectent, c'est vraiment violent. Oh, tout le monde retient la leçon maintenant, c'est bien ça. Et surtout, faites passer le message. Vous savez quoi faire de la fille.
Et vous allez emmener ces deux-là et me nettoyer tous les autres pour la vente de ce soir. Tout de suite, madame. Au fait, les investisseurs étrangers sont déjà là et les drones ont été programmés. Les invitations et toutes les coordonnées peuvent être envoyées aux invités. Oh, mais c'est qui prendrait des initiatives, le petit Peter. Les initiatives, ça peut être dangereux. Ça peut porter à confusion. On n'est pas aidés. C'est dingue. Comment Marie a pu se procurer ce genre de technologie? Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer des micro-puces tueuses. Un esprit tordu, certes, mais néanmoins génial. Le profil parfait pour un groupe comme Zero Day, n'est-ce pas? Ses affiliations sont secondaires, Bagley. Elle a réduit tous ces gens en esclavage. Et on dirait aussi qu'elle les vend. Bordel, c'est monstrueux. Alors c'est à ça que sert la micro-puce. Si quelqu'un franchit la limite, il finit en tas de viande morte. Dead sec. Nous devons interrompre cette vente d'esclaves. Récupérez toutes les informations que vous pourrez trouver. Le lieu sera indiqué sur les invitations. Elle ne les a pas encore envoyées, mais quand elle le fera... Bagley, surveille les réseaux de drones. Fais-nous signe quand Marie enverra sa flotte. Pour l'instant, il suffit d'être patient. Je vous tiens au courant si j'entends quoi que ce soit qui puisse vous intéresser. Merci, Detzek. Ah, on a récupéré un nouveau masque. D'accord. Alors, on a récupéré plusieurs missions, donc initiation de séquence. Sabine a découvert un réseau activiste appelé 404 qui pourrait détenir des informations importantes sur Zero Day. Tout le monde peut rejoindre 404 en acceptant des contrats via leur hub TTOS dédié. Accédez au hub 404 pour vous rapprocher du groupe et voir ce qu'ils peuvent vous apprendre. Une brèche dans l'armure. L'enquête sur l'opération de Marie Kelly étant en pause, Detsec a décidé de s'intéresser au rôle d'Albion dans l'attentat terroriste de Zero Day. Bagley a trouvé quelqu'un qui pourrait aider Detsec à faire la lumière sur les plans d'Albion, un ancien agent d'Albion, justement, autrefois proche de son PDG. Rendez-vous à la planque, écoutez le briefing de Bagley, puis contactez l'ex d'Albion. L'ex-agent d'Albion. Ouais. On a pas mal de points d'ailleurs, il va falloir qu'on augmente un peu tout ça, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard. On va faire la première mission là, de toute façon. Où elle se situe? Je ne sais pas. Étant donné que nous sommes en train d'attendre que Marie Kelly nous invite cordialement à sa petite fête décadente, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, résoudre le mystère de Zero Day. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils fait porter le chapeau à Detsec pour l'attentat? Bagley, qu'est-ce qu'on a? Merci de me le demander. Aujourd'hui, le grand commissaire Bagley a deux pistes pour ses fidèles acolytes. Évidemment, il faut enquêter sur Albion, mais j'ai une autre piste à vous mettre sous la dent, plus inhabituelle. Il y a ce groupe d'activistes sur le Dark Web, les 404. Mais ils ne font pas ça juste pour le lol, n'est-ce pas? Ils militent pour une refonte brutale de la société par tous les moyens nécessaires. Cela vous semble familier? Bon, on a plusieurs options. Je vous marque les deux sur votre optique. Bah alors, Sophie, Londres, ici 404, le premier réseau d'activistes peer-to-peer. Vous êtes tous les bienvenus. Ensemble, changeons les choses, rejoignez-nous, éliminons l'élite. Contrat après contrat. J'ai trouvé ça sur le Dark Web. On dirait que tous les gamins un peu cool créent des groupes de hackers. Mais ce 404 pourrait s'avérer très utile pour nous. Si tout le monde est le bienvenu, ça veut dire que nous aussi. On les infiltre, on prend leur carnet d'adresses et on leur pique leurs ressources. Si vous la jouez finement, peut-être vous aideront-ils aussi à éliminer Zero Day, à moins qu'ils ne soient Zero Day eux-mêmes. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. J'ai trouvé sur le net des images d'un hub CityOS recouvert de 404. Ces gens marquent leur territoire comme un chihuahua en lutte. Je vous indique l'emplacement du hub sur la carte. Ah bah voilà, c'est ça que je cherche. Bon, on va se téléporter, on est juste à côté. Hop là. Juste à côté d'une station.
accéder au hub CityOS 404. Ah, pas mal de magasins en tout. Hub CityOS localisé. C'est que vous voulez en savoir plus sur 404. Quelle est notre démarche? Quels sont nos procédés? Allez au Walkie Talkie Club. C'est une façade du clan Kelly, tout le monde est au courant. Mais ces lieux renferment d'autres secrets. Vous en saurez davantage là-bas. Le hub vient de finir un gigantesque transfert de données dans votre optique. Quel culot! Ah oui, c'est loin. Fait les trajets rapides, hein, c'est pour justement gagner un petit peu de temps, parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu long de prendre la route à chaque fois et de traverser toute la map. Qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule, le premier qui vient? Allez, on sort de la voiture. Il y a une recrue potentielle qui pourrait vous intéresser. Je vous envoie sa position. D'accord, donc on a des recrues en fait assez régulièrement sur... C'est pas mal. Ne regardez pas cette conduite. Dérapage qui a été réalisé avec succès. Maintenant, vous devriez vous trouver au 20 Fenchurch Street. Le Walkie Talkie Club est situé en haut du bâtiment. Tu fais quoi, toi? Accès par ascenseur uniquement. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu n'es qu'une vulgaire fermée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le droit de te regarder? Abruti. Non mais n'importe quoi. Bah lui... Ah, je suis désolé, mais c'est lui qui m'a provoqué. Hein. Ah oui, d'accord, oui, bah oui. Sérieux, tu vas pas bien, toi, ou quoi? Mais c'est lui qui m'a provoqué, c'est pas moi! Je répète à toutes les unités, on nous signale un individu hostile dans votre secteur. C'est lui qui m'a provoqué! J'ai le droit de le regarder, nom de Dieu! On est en train de les semer déjà. Ils sont d'Albion, eux. Et bon, on les a semés. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Tout ça parce que je l'ai regardé. C'est incroyable. Ah merde, il y avait un point tech à l'étage où j'étais. J'ai même pas fait attention. Il y en a un peu partout des points tech, j'ai l'impression qu'on peut en trouver un petit peu vraiment partout sur la map en fait. Je sais pas si on a besoin de tous les points tech pour pouvoir améliorer ou acheter tous les gadgets. Le Walkie Talkie Club, où ceux qui ont plus d'argent que de sens commun viennent perdre les deux. Le Walkie Talkie Club est fréquenté par toutes les élites les plus dévoyées. Et les propriétaires, les Kelly, ont une IA sur place qui collecte leurs données pour faire du chantage. Trouve cette IA, qu'on puisse voir ce que ces fumiers corrompus veulent cacher. Oh,
D'accord. Ok, donc il faut trouver en fait une place pour une araignée. Alors. Par contre là les FPS, wow. Les FPS c'est pas ça. Hein. Je ne trouve pas de conduit pour l'araignée. Oh mais calmez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont tous comme ça là? Tous énervés ici hein. Où est-ce qu'il peut avoir le conduit là? Le conduit est là. Le conduit est ici. Donc déjà... plus de ce côté là normalement. Il serait pas dans le feuillage. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'il a lui? Ah d'accord. Le conduit il est là-bas non? Ouais il est là-bas le conduit. Comme par hasard il y a le mec qui est là. Quoi cette musique là qui s'excite? Ah mais non! C'est justement pour avoir une araignée. Bah merde alors. Ah non? Ah d'accord. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Enfin, je m'en rappelais plus, c'est vrai qu'au début du jeu on avait eu la possibilité de faire ça. J'adore franchement ces petites séquences d'araignées. Je trouve ça vraiment trop classe quoi. C'est trop bien fait. On rentre de chaque pièce et tout. Je pense que c'est pas révolutionnaire hein, comme ça existe dans pas mal de jeux, hein, ce mode. Cette façon de faire, on va dire, mais. C'est sympa, je trouve. Bon! Vous n'avez pas aménagé vos efforts et grâce à votre persévérance, nous n'avons rien du tout. L'IA n'est finalement pas ici. C'est juste un relais pour envoyer les données du club hors site. Je vais trouver où il les envoie. Vous, dénichez un moyen de sortir de ce bouge infect et bruyant. Compris? Compris? Compris. C'est compris. J'ai fait quelques recherches et il semblerait que l'IA de reconnaissance faciale ait signé Brokatech. Brokatech? Ils font partie des plus gros développeurs de logiciels de la planète. Et ils ont toujours su rester clean. S'ils achètent des données au Kelly, c'est du très très lourd. Tout ce que l'IA collecte ici est envoyé directement au QG de Brokatech. Nous devons aller sur place pour récupérer les données.